Bonjour Minecraftiens de ce monde, bienvenue dans le troisième épisode à la découverte de la 1.3.1. Oh yeah! Donc nous nous retrouvons comme nous étions avant dans le village de PNJ. Donc nous avons déjà 3 émeraudes, qui est vraiment bien. Non, pour l'instant je ne veux pas de casque maillé, je veux du diam. Tu te fous ma gueule là. Voilà. Donc là je pense qu'on peut aller un petit peu fight des monstres pour avoir un petit peu bah, pourquoi pas de poudre de creeper d'os, etc. Donc viens ici salaud. Vous voyez comme je suis raciste envers les creepers, c'est pas bien, franchement. Faut vraiment que je me calme. Alors, un petit mouton, deux petits moutons. Alors voici donc une araignée, je vais vous montrer ce que ça fait pour les circuits électriques. C'est vraiment pour faire des pièges ou etc. Je sais pas exactement comment nous pouvons faire des pièges, pas encore du moins. Je vais y réfléchir, je pense qu'à la fin, enfin dans les séries nous ferons un petit piège. Donc, je sais pas, de monstres etc. Donc qu'est-ce qui me bute? Ah, le fait que je n'ai plus de bouffe. Enfin, le fait que je n'ai plus de bouffe, donc je bouffe. Voilà. Donc je pense que je vais baisser un petit peu le son. Pour que vous m'entendiez mieux, ce serait bien. Aussi maintenant, donc les cochons ne drop entre une et trois côtelettes. Donc ça veut dire que c'est pas tout le temps une ou deux. Maintenant c'est une et... même quelquefois ça peut arriver, mais très rarement, d'en avoir 4. Donc là vous voyez, j'en ai que une à chaque fois. C'est la chance de Guild Wars Cube, hein, c'est que ça. Donc là j'en ai deux, je ne sais pas. Donc tiens, donne-moi tes os toi. Wow, je freeze. Hop. Donc on va se déconnecter les amis, on va se reconnecter. Parce que là je freeze un petit peu. Voilà, ça va mieux. Excusez-moi encore. Comme ça je vais pouvoir. C'est pas grave. Donc vous voyez, déjà j'ai 3 fers, j'ai tué je crois. C'est con si je le balance. J'ai tué 3 zombies, donc c'est même plus un petit peu, donc c'est bien. Je sais pas si maintenant les zombies ne peuvent dropper plus qu'un lingot de fer, donc je sais pas, on va voir. Donc là-bas il y a un bon clan de squelettes, on va voir ça tout de suite. Donc crève salaud. Peut-être on va se faire un disque, ce serait bien. Hop, on va lui donner 3 coups. Viens ici petit creeper. Allez viens, donne-moi un disque. Oh merde, je suis bloqué. J'abîme cette magnifique map. Alors j'ai combien d'eau? Pas mal, 4. Je vais faire pouvoir faire pousser du blé. N'inversons pas. J'ai mal articulé aujourd'hui, je sais pas. Donc je précise aussi, comme l'épisode 2, là je suis en train de les faire à la suite. Comme ça je suis vraiment bien dans cette aventure et je peux vous les sortir un petit peu quand je veux quoi. Donc là je freeze. Je pense que c'est parce que j'upload la première vidéo. Donc je pense que c'est pour ça. Donc si ça devient trop horrible, je quitterai, je recommencerai la partie un peu plus tard. Donc ça, le pied de mouton. Alors. Non. Alors. Merde, j'ai plus d'épée. C'est bon, on va retourner dans notre petit lit. Et on va. Je vais essayer. Parce que j'ai une autre épée. Oui. Saloperie, va te faire là. Ah.
Oh putain. Bon, je suis pas trop loin, je suis pas trop loin de mon spawn, donc ça c'est bien. Mais c'est pas possible. Voilà, mort épisode 1, mort épisode 3. Vous avez eu un épisode entre les deux où il n'y a pas eu de fail. Donc, mon stuff. Nous allons voir tout de suite si c'est comme en multijoueur. Quand tu te déconnectes, ils ne sont plus. Eh non, négatif. Négatif, ne pétez pas mon stuff, c'est tout. Ne pétez pas mes émeraudes, sinon je pète un câble. Mais tu vas me saouler encore longtemps, toi. Et on va faire oh. Oui, jump. Prends stuff. What the f... Putain de... Non mais c'est pas possible ça, hein. C'est pas possible, je rage là, c'est pas possible d'être aussi maudit, de mourir combien de... plein de fois là. Bon, j'ai 7 minutes. Et pourquoi ils sont tous près de mon stuff là? Je prends mes émeraudes, c'est bon, GG. Ma laine. Ok, putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Oh non, mais c'est pas possible. Non mais c'est vraiment pas possible ça, hein. C'est vraiment pas possible d'être aussi maudit. Je prends mon stuff, je me protège. Donc ils ont disparu un petit peu, c'est bien, bon voilà. Allez vous faire foutre, bande de squelettes, mais c'est pas possible, je me fais canarder là, c'est... Wow. Hop! Hop! Oui. Run, mon ami. Cours. J'irai chercher mon stuff un peu plus tard. Cours. Bon, je le rapproche de la maison. Si je me fais buter, c'est pas grave, je me serai rapproché. Donc j'étais à 10 XP, là je suis à 2. À force et à mesure que je meurs... Et ben voilà, il me reste plus que 2 XP. Bon, c'est un petit peu con. Donc on va jouer un petit peu à... On va jouer un petit peu à Tarzan. Et putain, il y a des zombies, c'est pas possible, hein. Je peux plus être tranquille maintenant. Non! Oh les bandes. Oh oui, il a pas pété mon coffre. Il a pas pété mon coffre. L'espoir renaît. Bon, tu vas crever toi, salaud. Voilà, merci. Bon, j'ai un petit peu la rage là. Allez, on ferme ça. On ferme ça, on ferme encore ça, et on ferme ça, et on ferme ça. Et putain, c'est quand que tu te fermes ta gueule? Je me casse tout seul, le pauvre. Bon, c'est très beau. Je vais me faire un deuxième coffre. Je vais aller chercher, je pense, les affaires qui me restent. Bon, j'ai le plus important, c'est mes 3 émeraudes. Vraiment, là, que j'ai gagné avec labeur. Allez. Non, je garde ça. Et je fais... Est-ce que j'ai du... Oui, je me semble que j'ai du fer. Donc, on va se faire une épée en fer qui va essayer pas de nous lâcher parce que j'avais pas vu que elle était aussi basse. C'est quand même embêtant. Bon. D'accord, l'Enderman me suit, c'est pas grave. Vas-y, crève au soleil, saleté. On va chercher notre reste du stuff. Donc là, ah voilà, regardez. Tac. Vous voyez? On peut faire une sorte de fil. On le voit très très peu, mais donc ça fait passer le courant. C'est vraiment génial. Merci, merci l'update. Merci beaucoup. Donc j'ai mes petites bottines. J'ai mes 8 pommes. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais, bah, c'est tout. C'est tout ce que je... Non, du gravier. Voilà. On va prendre un petit peu de terre. Comme ça en fera. Et on va on va retourner chez nous donc pour se reposer un petit peu après cette nuit très mouvementée. Voilà, donc si je suis content ça freeze moins. J'ai eu peur de devoir arrêter en partie, c'est pas très génial qu'on arrête en partie quand même. Alors on va aller dans la jungle, pour voir s'il n'y aurait pas une ruine. Vraiment très très intéressant. Ouais, je vais prendre une pioche comme ça je pourrais récupérer la moustique cobble, la cobble si j'en ai besoin dans les ruines. Je sais qu'il y a des pièges donc il faudra vraiment que je fasse super gaffe.
Je sais pas exactement comment ça se déroule à l'intérieur. Je sais comment se déroule donc la ruine du désert. Donc j'espère qu'on va pouvoir en trouver dans la dans la série, dans les épisodes qui suivent. Mais d'abord que je trouve un désert. Donc on va aller voir, comme je disais, dans la jungle, dans la jungle, pour voir s'il y a des ruines. Ce serait vraiment génial s'il y avait dans les récompenses des émeraudes. Donc voyez les cacaotiers, on va s'en faire suis-je seul sur ce monde? Suis-je seul sur ce monde? Suis-je le seul? Ah ok. Donc la lave enflamme les arbustes. Donc, je le savais pas. Donc là ça continue pas. Ça va direct biome prairie. Donc est-ce qu'on peut ramasser? Non, toujours pas. On peut pas ramasser les ou on peut appeler ça les pins. Alors, il nous faut trouver des ruines. On va essayer pas de se paumer, ce serait bien. Donc il y a plein de cacaotiers. Y a des fleurs, c'est trop mignon. Oui, on monte le long des lianes si on revient. Gros freeze. Donc re les amis, je suis désolé pour cette coupure causée à cause d'un out of memory. Donc nous sommes toujours à la recherche de ces ouais, ces ruines quoi, pour être poli. Donc vraiment, j'espère les trouver parce que c'est très 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 rare. Les trouver juste comme ça, donc je vais essayer aussi pas de me paumer, ça serait bien. Donc je sais que tout droit, peut-être qu'il faudrait que je fasse une indication. J'ai rien, que dalle hein. Pour faire une indication, on va faire, ouais, on va creuser comme ça, ou plutôt je sais pas, on va faire quelque chose pour que ça indique le chemin, parce que si je me paume, je suis vraiment dans la merde quoi. Ouais, faut le dire quoi. Il faut bon, je vais creuser comme ça tous les où je vais il y aura je vais couper un morceau de bois, comme ça je récupère du bois en même temps. Voilà, c'est bien. Donc je signale aussi que donc je re cette vidéo presque une nuit après, parce que j'ai pas eu le temps en fait après de refilmer. Donc je filme une nuit après, donc je suis un petit peu paumé. Un petit peu paumé. Mais pourquoi il y a des arbres qui sont coupés ça? Ah non non, ok. Ok, donc peut-être on va prendre, vous savez quoi, on va prendre de la hauteur pour voir quand même. Merde. Pour voir s'il n'y a pas des ruines. Ça serait vraiment génial s'il pouvait avoir des ruines comme ça dans les trésors. On pourrait trouver soit du diamant, soit de l'émeraude, soit les deux d'ailleurs. Ça serait vraiment très chouette. Alors, donc là je vois que dalle parce que il y a de la végétation. Donc est-ce que non, je peux pas utiliser contrôle pour zoomer. Mais pourquoi il y a des pousses d'arbres qui tombent? Ok, bon, on va prendre ça parce que après on va, donc si je retrouve rien, on va se faire une ferme de cacao pour qu'on se fasse en fait des biscuits à volonté. Donc je vais vous expliquer comment le faire, c'est vraiment super simple. J'aurai besoin par contre de bois de jungle pour le faire. Donc il y a, ouh, je crois que j'étais sur shift, non je suis pas sur shift. Bon là je vraiment j'ai peur de me paumer, ça me fait peur d'ailleurs. Pire, si je me paume, ben je recommencerai la vidéo. Donc là, non, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y en a ici. Tiens, ah, il y a des cacao là-bas. On attend que ça se charge. Je suis Guy World Cube Tarzan. Oh merde. Oh merde, oh merde. Ouh. Putain, j'ai flippé là par contre. Bon, on va arrêter de jouer à Tarzan dans les lianes et trouver une ruine. Donc on va revenir.
On va revenir donc à notre spawn. Si j'y arrive d'ailleurs. Donc je sais que je suis tout droit à peu près. Et au pire, ben. Au pire, je ferai une petite coupure encore une fois pour retrouver mon chemin. Bon, ça va être. Ça va être. Pas trop difficile, je pense. Je pense que nous n'aurons pas besoin de faire ça. Alors, on va essayer de sortir de ce gros merdier. Au passage, je peux prendre quelques bûches de jungle pour nous faire notre petite farm. Voilà, voilà. Donc là, il devrait avoir moins de freeze normalement, puisque donc la vidéo 1 et 2 ont été upload, donc ils sont désormais disponibles. Bah, c'est un petit peu logique, parce que si je mettrais la 3 en téléchargement, la 1 et la 2 sont sortis déjà. Donc il faut que je réfléchisse avant de parler. Oui, 8, 8 ça pourra aller. Au pire, j'irai en rechercher plus. Donc alors, on va en prendre un peu plus. Voilà. Voilà, on va en prendre un peu plus quand même. Pour que vraiment on puisse se faire une farm. Une belle petite farm comme ça, après avec le blé donc que j'ai planté dans l'épisode 2, il me semble. Oui, c'est ça. On va pouvoir donc se faire plein de petits cookies. Malgré que ça donne pas beaucoup, je sais pas si avec la 1.3.1 ça a changé, il me semble pas. On va le voir d'ailleurs. C'est tout le temps bien d'avoir un petit peu de bouffe sur nous. Surtout si on en a en grande quantité. Donc on va pas prendre plus de pépites de chocolat parce que... Oui, des pépites de chocolat. Puisque on en a assez. On en a assez. Donc, on va tout droit. J'espère ne pas être paumé. Je pense pas. Et j'ai... Ah si, voilà, j'ai des pommes pour que je puisse speeder. Ah, donc c'est bon, je suis de... Là, il y a l'arbre coupé, donc je suis du bon sens. C'est parti. Donc, on va dire que je vais faire la... Oui, je pense que je vais retourner, donc, à mon spawn. Et après on va s'arrêter parce que j'ai vu qu'il me restait 9 minutes pour faire jusqu'à 20, donc je pense que là ça fait à peu près 20 minutes, donc oui, l'épisode n'a pas été super intéressant puisque peut-être il y a des ruines mais elles sont super super loin, donc ça va pas arranger les choses. Voilà, voilà, donc on va... Ah, je m'habitue toujours pas à la texture du gravier. Donc je disais qu'on va, bah, on va retourner où on était, hein. Notre petite maison. Et je pense que dans l'épisode 4, on ira miner. Donc c'est un deuxième out of memory, puisque j'ai oublié de déco Rocco au début de la partie. Donc je suis vraiment désolé, on va se quitter sur ça. Donc vous avez eu votre action au début de l'épisode avec bon les innombrables morts que j'ai subies. Et donc, je vous dis à plus pour un quatrième épisode à la découverte de la 1.3.1. Je vous fais remarquer que c'est la première fois que je n'ai pas d'hésitation. Donc, ça commence à rentrer petit à petit. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à plus, les amis. Et donc, j'espère vous revoir dans l'épisode 4. Bye! Bonjour Minecraftiens de ce monde, bienvenue dans le troisième épisode de... Même au début de l'épisode j'oublie, c'est... Oh putain, mais c'est vraiment trop long, il faut vraiment que je change. La...